Salut à tous et à toutes, c'est Logan Ninja. On se retrouve pour un nouvel épisode SCP. Normalement, j'ai acheté un nouvel SCP et le colis va bientôt arriver. Le paquet est arrivé. Donc voilà, donc il y a déjà le paquet. Donc merci soldat, Yaya. Donc venez soldat, fermez la porte s'il vous plaît. Salut Gab, est-ce que tu pourras aller chercher la classe D s'il te plaît? Monsieur, bonjour. On vous demande. Monsieur Tounier, moi sans faire d'effort. Attendez, je finis. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait de la caporeur. C'est vous. Moi aussi. Je sais bien. Salut classe D, nous allons faire une expérience. Est-ce qu'il me peut protéger? Non, non, tu viens tout de suite ici. Tu vas mourir, c'est pas grave, classe D. Aïe. La prochaine, je vais t'abattre. Hein. Bon alors sinon les soldats là, vous avez des femmes, des trucs comme ça? Il y a pas longtemps j'ai pris un jour de repos et ça s'est plutôt bien passé. Okay. T'étais sur le sable. Hein. Attends, je dis ça, je dis rien, mais le code créateur Yaya c'est meilleur. Hein. On m'appelle. Ok, j'ai quelque chose à faire. Officier Yaya, est-ce que tu peux te charger du SCP? Ouais, vous inquiétez pas. Ok, je reviens. Je vais aller faire un truc. Non, mais c'est pas avec lui, c'est lui. Et toi? Oh, mais c'est quoi cette boîte? Monsieur là, Alex, je veux y rentrer. Oh, Lisa. Oui, c'est lui. C'est quoi ça? Voici le sujet en question. Y'a un couteau. Non, ça va pas bien, non. Monsieur? Je fais quoi ici, Monsieur là? Alex, je veux y rentrer. Par la porte. Entrez. Je vous coupe. Je pas, c'est... Non mais moi, c'est pas rentré avec lui. Ouais, c'est mais c'est quoi, lui? Oh, monsieur, là, pourquoi il y a ce... Non, il est beau, ce plus, ce gars. Et s'il vous plaît, sors de là, s'il te plaît. T'approches pas, hein, parce que je vais te brûler. Ah Monsieur Alix, veuillez vous approcher de ce sujet. Mais il est moche. Je vais le brûler, hein, je jure, je vais le brûler s'il s'approche. Il est moche. Vas-y, essaye de venir, essaye. Mais t'as vraiment pas me tuer, Tidou. C'est sûr, il faut pas me provoquer, hein. Aïe. Qu'est-ce que je fais là, là? Je veux des réponses maintenant. Eh bien, monsieur, vous êtes là car vous avez été détecté comme une anomalie et nous aimerions savoir plusieurs choses à votre sujet. Comme quoi? D'où viennent ces flammes et ces brûlures partout sur votre corps? C'est quand j'étais petit, je suis tombé dans un gaz, dans un chaudron un peu toxique et mon père, il a foutu le feu à la maison. Et du coup, quand je suis rentré dans le gaz, et j'ai pris le feu, et maintenant je suis à moitié homme, à moitié feu. Et d'où vient cette arme que vous possédez? Ah ça, non, en fait, je suis allé dans un volcan et je l'ai confectionné pour tuer des gens. Et ça fout le feu aussi quand je tape des gens. Bien. Puis-je savoir votre nom? Je n'ai pas de nom. Ah, le roi du feu, c'est le seul nom que j'ai. Bah, très bien. Autre chose. Vous êtes en feu et pourtant seule une toute petite partie de vos habits sont en feu. Pourquoi cela? C'est une très bonne question. Une seule petite partie de mes vêtements. C'est parce que c'est... Non, en fait, je sais pas. Je les ai depuis que je suis petit et je crois que c'est grâce aux produits chimiques qu'elles ne brûlent pas comme moi. Et ce sac à dos que vous portez derrière vous? Ah ça, non, c'est pour garder un peu de lave au cas où si je touche de l'eau. Parce que l'eau, c'est mon pire ennemi, j'aime pas l'eau. Très bien. Merci. Ce sera tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je rentre dans une salle que je ne connais pas, avec des gens que je ne connais pas, et j'étais tranquille dans mon volcan, sur mon trône, et il y avait des... Une opération de commando d'élite
lancé un assaut sur votre volcan car nous avions détecté une anomalie provenant de cet endroit. Et qui est devenu mon volcan du coup? Parce que j'ai fait une éruption et je sais pas ce qu'il est devenu puisque vous m'avez attaqué. Il a été désaffecté, pas touché. On a juste pris le sujet test actuel qui se tient devant moi. Est-ce que vous avez trouvé d'autres hommes sur ce volcan? Non. Donc ils ont pas trouvé. Pourquoi? Non, rien, non, pour moi. Auriez-vous un acolyte? Peut-être. Je vous rappelle, monsieur, que ceci est un interrogatoire. Donc, soit vous répondez à mes questions, soit vous recevez une balle dans le crâne. Ça me fait pas mal, les balles. Hein. Il n'y a que de l'eau qui me fait mal. Tiens, d'ailleurs. Joli crâne, hein, belle chevelure. Merci, hein. C'est moi qui me coiffe tous les matins. Je fais cramer quelques œufs sur ma tête et ça fait des œufs à la coque. Ensuite, je les mange. Très bien. Bon, oui, j'ai un acolyte du coup. Et il est plus diabolique que moi, c'est pour ça que c'est moi le patron. Et si je venais à mourir ou à me faire capturer dans ce cas-là, cet acolyte viendrait me sauver. Très bien. Il sait où je suis tout le temps. D'accord. Bon, eh bien, vous avez autre chose à me dire? Ouais, ils sont mes gardes là, parce que j'avais des gardes. En fait, si vous voulez, j'ai des œufs. Enfin, je crée des œufs. Et dans ces œufs, c'est un peu comme des dragons. En fait, on dirait un serpent au début. Mais ensuite, ils se transforment en ninja dragon bizarre. Et je sais pas des où ils sont. Des hybrides, si j'ai oui, bien compris. Oui, voilà, des hybrides, c'est ça. Très bien. Vous les avez pas vus? Ça se trouve, ils m'ont abandonné, ces lâches. Nous n'avons trouvé dans votre volcan que vous et votre trône. Et mon trône, il est où? Votre trône oui. Il a été donné à une usine pour essayer de voir quelles molécules sont créées pour obtenir cet objet. Je commence à bien vous aimer, vous. Est-ce que vous savez danser? Oui. On fait une battle de danse. Si je gagne, vous me laissez partir. Très bien. Voilà. Et si vous gagnez, bah, vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec moi. Vous me posez n'importe quelle question et je répondrai juste. Déjà, nous sommes des soldats. Nous sommes toujours obligés de gagner. Ah ouais, c'est ça. Bah, c'est ce qu'on va voir. Vas-y, lâche ta première danse. Mais bon, je préférerais qu'on joue ça plus à pile ou face. Oh, comme vous voulez. Bon, je peux pas toucher les pièces parce que sinon je les fais fondre. Est-ce que vous choisissez avez une votre pièce côté. Je dirais face. Très bien, alors je prends pile. Eh bien, c'est pile. Répondez à ma question désormais. D'accord. Quelle est la construction de votre corps? Quel est le produit chimique qui vous a rendu comme tel? Alors, le produit chimique qui m'a rendu comme ça, je ne peux pas répondre à cette question parce que j'étais petit et du coup, je ne sais pas. Mais si je sais quelque chose, c'est que ben, la lave que vous voyez là dans mon dos qui traverse tout mon corps, c'est un peu comme mes veines, c'est un peu comme mon sang. Si j'en ai plus, je meurs. Très bien. Tant qu'il me restera une goutte, je serai encore en vie. Et du coup, puisque c'est très chaud, c'est pour ça qu'il y a des flammes sur mon bras et un peu sur ma tête. D'accord. Mais sinon, si en battle de danse... Ah, cette chaîne-là, d'art. Oui. Ah, c'est parce que ben, le roi de la glace, parce qu'en fait, si vous voulez, j'avais un pote. Et ce pote a fait le même accident que moi, mais sauf que lui est tombé dans de la glace. Parce qu'il habitait en Everest, un truc comme ça. Et du coup, ben, depuis ça, on n'est plus amis parce qu'on s'est embrouillé avant. Et du coup, ben, on se bat et un jour, il m'a capturé dans son château de glace. Et j'ai réussi à me délivrer de ses chaînes. Et du coup, c'est pour ça que j'ai encore ma petite chaîne là derrière. Je crois que votre téléphone sonne, monsieur. Oui. C'est votre chef, c'est ça?
Oui, c'est mon supérieur. J'irai répondre plus tard. D'accord. Enfin. Bref. Regardez comment je vous défonce en danse. Moi, j'ai cette danse. Donc là, déjà, je peux vous battre. Ensuite, j'ai ça. Eh, j'ai pas dit pile ou face, wesh. Mais... Ah d'accord, vous êtes entraîné comme ça, vous. Ah ouais, ok, je vois du genre que vous êtes. Ben moi, je sais faire ça. Non, plus sérieusement, je sais faire ça, regardez. Aïe. Aïe, j'ai mal. Aïe. Respect, monsieur, respect. Ah ouais, respect, tu vas voir. Je sais faire plein de choses, regarde. Voilà, je te démonte. Ose me toucher. Sinon, je m'occupe bien ici. Faudrait juste ramener mon. Moi, trône. Je vais vous lancer des bonnes bulles de savon. Ah, arrête, ça fait mal. Bon. Plus sérieusement, est-ce que vous avez un cochon? J'ai faim. Non. Oh, je crois qu'il est mort. Une brèche. Merci. Vite, je dois avertir mes supérieurs. Yes, il est parti. Je vais pouvoir foutre le feu à ça, là. Vas-y. Ok, c'est bon, j'en ai mis partout. Je vais faire pareil ici. Je fais le contour. Là. Ok, je pète la vitre. C'est bon, elle est tombée par terre. Où je pourrais bien partir. Là, un conduit d'aération. Ok. Bon, je vais essayer de contacter mon acolyte. Oh là, c'est nul ici. Y a rien. Bon, je vais pas bouger et attendre là que mon collègue arrive. Ah, heureusement que j'ai gardé les œufs de mon maître. Ils ont pas encore éclos. Par contre, du coup, on n'a plus de volcan. Faut que je trouve un autre endroit pour les mettre. Mais je sais que mon maître est ici. Je vais attendre que les œufs éclosent. Et ensuite, j'attaquerai la base. Et je libérerai mon maître. Ah, 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 ah. Salut à tous et à toutes les abonnés. Je sais que c'est la fin de la vidéo. Pour les plus fidèles d'entre vous qui resteraient ici avec moi et qui m'entendraient, bah déjà, abonnez-vous, likez, partagez. Ça me ferait plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez d'autres, parce que je peux faire une deuxième partie, je vais faire même une deuxième partie. Donc, mettez 5 likes. Il y a 5 likes. Je mettrai une deuxième partie. Donc, abonnez-vous, likez, partagez. Bientôt, mon code créateur, les abonnés, n'oubliez pas, je sortirai une vidéo pour mon code créateur. Ciao tout le monde, peace!